Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'extension Photoshop Realistic Painting Effect. Donc, cette extension Photoshop va vous permettre de créer des choses comme ça, ou encore comme ça. Et l'extension est téléchargeable dans le lien dans la description au prix de 5 $. Donc, on va faire un exemple concret pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette extension-là. Je vais ouvrir Photoshop et j'ai présélectionné cette photo. Ensuite, tout simplement, je vais dans Window, puis dans Actions, et là, je vais sélectionner en fonction de la taille de mon image. Donc moi, je vais sélectionner celui-ci, on va faire 2000, et là, une fois que je suis dessus, j'appuie tout simplement sur Play, et je laisse l'extension et le logiciel Photoshop travailler. Ça y est, là, c'est parti, je viens de cliquer sur Play, donc on voit que c'est en train de charger, de travailler en fond. Donc là, ça va dépendre des performances de votre ordinateur, la durée à laquelle on va attendre que le logiciel travaille. En tout cas, c'est toujours plus rapide que si vous l'avez fait, bien entendu, manuellement. Au bout d'une vingtaine de secondes, j'ai eu ce message render complète. Je clique sur stop et là, je peux voir le résultat. On va zoomer dessus pour voir un petit peu l'effet. Ça rend super bien. Waouh, l'œil, c'est magnifique. Pour ça, on va prendre l'original, on va la mettre devant pour voir l'effet avant-après. Donc ça, c'était avant. Ça, c'est après. On va prendre le nez, la bouche, avant, après. Je vais dézoomer un petit peu pour mieux voir. Avant, après. Les cheveux aussi, ça rend très très bien. Avant, après, enfin avant plutôt, et après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que si vous êtes intéressé pour télécharger cette extension, le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.